L'affaire Vanessa me passionne vraiment parce que c'est un travail que je fais déjà sur le plan universitaire, à savoir réfléchir sur la formation de la famille, l'adoption et tout cela. Bon, donc, quand on cherche un enfant, la femme africaine, on dit, elle est maternelle et maternante. Donc, quand on cherche un enfant, on peut aller voir les gangas, on peut voir les sorciers, on voit les prêtres, on voit les exorcistes, on voit tout le monde. Donc, la magistrate était passée par toutes ces étapes. Et finalement, elle a pu rencontrer des hommes et des femmes qui sont impliqués dans des véritables réseaux de trafic d'enfants. Donc, elle m'a donné comme ça de nombreuses informations, de nombreux numéros de téléphone qui m'ont permis, en appelant à gauche, à droite, au milieu, de rassembler à peu près 94 dossiers uniquement dans la ville de Yaoundé. Et c'est ça qui m'a permis de dire, nous ne sommes plus seulement dans une affaire de kidnapping d'un bébé à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, mais vraiment en face d'une grande affaire de trafic de nourrissons. Et je suis allé à plus d'une reprise rencontrer le directeur de la police judiciaire pour essayer de m'enquérir de l'état d'avancement de ce dossier-là et surtout vérifier aussi un certain nombre d'informations qui m'avaient été communiquées. Et c'est comme ça que j'ai découvert, parce que effectivement, cet ouvrage que j'ai publié en 2000, j'avais déjà découvert que la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, j'ai vu que le Cameroun était l'un des rares pays au monde à n'avoir pas ratifié cette convention. Et en 1993, ils auraient dû ratifier cette convention qui non seulement protège les enfants adoptés, mais aussi instaure ce que l'on appelle la traçabilité au niveau de l'adoption. Si l'on avait eu cet accord ratifié, on aurait pu mieux être outillé aujourd'hui pour lutter contre le trafic de nourrissons. Parce que en réalité, ce que j'appelle le trafic de nourrissons transatlantique aurait pu se combattre avec les armes et le droit international. C'est très simple aujourd'hui. Quelqu'un qui part de Belgique, de n'importe quel pays de l'espace européen, qui arrive au Cameroun, avec des documents qui lui permettent d'adopter un enfant, par exemple au Cameroun. Une fois qu'il est sur le territoire camerounais, c'est la loi camerounaise qui s'applique à lui. Cette loi, finalement, qui est tout à fait floue et qui permet que vous puissiez adopter un enfant sans savoir d'où il vient, qui a été sa maman, quelle est son histoire, quelle est sa carte d'identité, voire même sa carte génétique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que avec les documents qui vous ont été délivrés par votre pays, vous arrivez ici, vous achetez un enfant et puis vous allez vous présenter même aux autorités camerounaises qui sont tout à fait disposées à vous délivrer un acte de naissance. Et quand vous avez déjà un acte de naissance dans un pays, vous pouvez aussi avoir un passeport. Et une fois que vous arrivez chez vous avec cet enfant-là, vous essayez simplement de régulariser la situation en vous appuyant sur les textes et les lois en vigueur dans votre pays. C'est ça. Et la question que je me pose vraiment est celle de savoir si ça a été fait à dessein. Parce que c'est quand même et le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires sociales qui ont en charge généralement l'étude de ce genre de dossier. Donc, en refusant ou en faisant tout pour être absent afin de ne pas ratifier ces accords, on a permis que en fait se développe ce vaste réseau de trafic d'enfants. J'ai réussi à établir avec Madame Caroline Atangana des relations d'amitié, mais surtout de confiance. Ce qui a permis, par exemple, qu'elle vienne chez moi, ce qu'elle a fait avec sa sœur cadette, mais aussi que je puisse être invité dans cette famille. Comme le veut la tradition camerounaise, d'aller porter le bébé. Donc, j'avais au préalable discuté avec un certain nombre de responsables de la police nationale et qui m'avaient conseillé de pouvoir ressortir de là au regard de la confiance que nous avions réussi à établir avec quelques clichés photos qui allaient pouvoir être utilisés par la suite.
Donc, ces photos-là, effectivement, je les ai prises dans ce domicile situé au quartier Oza, et très exactement derrière le dispensaire d'Oza. Et, bien évidemment, il m'avait été aussi conseillé, afin qu'on puisse lever tout équivoque, de ressortir de là avec, avec quelques mèches de cheveux de cet enfant. Bon, bien évidemment, il fallait le faire de façon très discrète. Et j'ai profité de quelques moments que j'ai pu passer seul avec, avec cette fillette, aujourd'hui âgée de 8 mois. Donc, à l'aide des ciseaux qui m'avaient été donnés et surtout d'un tube dans lequel je devais mettre ses cheveux, j'ai profité pour pouvoir prendre quelques mèches de cheveux depuis la racine, effectivement, pour que plus tard on puisse faire des tests ADN. Donc le bébé que j'ai effectivement dans mes bras et sur lequel j'ai pu faire les prélèvements au domicile de Madame Caroline Atangana est bel et bien l'enfant de Mademoiselle Vanessa Tchatchou, parce que l'expertise qui a été faite a été rendue et atteste que cet enfant est à 99,99% la fillette de Mademoiselle Vanessa Tchatchou. J'ai toujours prophétiser cette ville belle et avec elle tout le pays. Malheureusement, il se passe la nuit tombée beaucoup de choses dans cette ville. Quand je suis né, on pouvait dire qu'il y avait quelques petites poches de prostitution. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule. C'est-à-dire que toute la ville et avec elle, tout le pays s'est prostitué. C'est ainsi, par exemple, que quand je prends donc sur moi de tenter de voir clair dans l'affaire Vanessa Tchatchou, je vais me rendre à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Mousseau, dans un premier temps pour rencontrer Vanessa. Puis, un journaliste m'appelle et me dit « je voudrais vous rencontrer ». Mais j'avais déjà entre-temps quitté l'hôpital pour gagner la basse ville. Donc je fais demi-tour pour repartir à l'hôpital général. Et là, je rencontre ce journaliste et ensemble nous repartons voir Vanessa. Et comme l'hôpital Génico était un peu dirigé comme une succursale de la Gestapo, rapidement le directeur a été informé qu'un journaliste et le professeur Vincent Fouda se trouvaient en compagnie de Vanessa Tchatchou. Immédiatement, il a appelé les éléments du commissariat central numéro 1 de Yaoundé qui sont arrivés et qui nous ont embarqué à l'hôpital, nous ont conduit, ces journalistes et moi, au commissariat central où nous avons été auditionnés et puis retenus au commissariat jusqu'à la nuit tombée. C'est pour cela que je parle de nuit. Dans ce pays. Alors, il était question que nous ne puissions pas sortir en plein jour de peur de rencontrer des gens et d'échanger avec eux. Donc, on nous a gardés aux environs, jusqu'aux environs de 22h, 23h. Puis, on nous a libérés. Et là, dans mon audition, je dis que je donne une date et je dis je donnerai là devant l'hôpital gynéco-obstétrique en point de presse. Alors la nouvelle a rapidement circulé et effectivement le jour convenu à 14h15, parce que c'est une heure symbolique, heure à laquelle effectivement on était venu annoncer à Vanessa Tchatchou le 20 août 2011 la disparition de son bébé. Nous nous sommes retrouvés là, une dizaine de journalistes et moi-même. Avant que le point de presse n'ait commencé, un commissaire de police est venu me voir en me disant « Est-ce que vous pouvez plutôt tenir votre point de presse plutôt en face de l'hôpital ?» Mais il était question pour nous d'être vraiment devant l'hôpital
pour témoigner et pour dire qu'on avait besoin de savoir ce qui s'est passé dans cet hôpital. Malheureusement, une fois de plus, nous avons été embarqués, bousculés par les éléments de la police qui étaient venus d'ailleurs en nombre tellement grand pour le nombre, parce que en fait, la présence policière était disproportionnée par rapport à nous qui étions là pour ce point de presse. On nous a à nouveau conduits au commissariat central numéro 1, et là, nous avons été à nouveau auditionnés sur procès verbal, c'était la deuxième fois. Alors, je vais vous passer toutes les autres fois, mais ça s'est enchaîné jusqu'au 10 février, jusqu'à la manifestation du 9 février. Là, on nous a vraiment brutalisés, parce que c'était joint à nous, l'association de défense de droits des étudiants, on appelait l'ADEC, et on nous a embarqués, et arrivé au commissariat, il a été convenu qu'on devait garder en cellule les étudiants de l'ADEC. Alors, je suis allé rencontrer le commissaire divisionnaire responsable de cette unité pour lui dire que les étudiants n'avaient véritablement rien fait. Ils étaient là pour manifester. Et bon, après moult tractations, on nous a tous libérés avec l'artiste Valsero. Et c'est d'ailleurs aux environs aussi de 21h, 22h que nous avons été libérés. Il s'est passé quelque chose ce jour-là, c'est que, en fait, le commissaire divisionnaire nous dit, ben voilà, le secrétariat général de la présidence de la République et la délégation générale de la sécurité nationale voudraient que vous nous fassiez des propositions pour une sortie de crise. Donc, il fallait les faire par écrit. J'ai fait des propositions, notamment en 4 points, il me semble. Le premier point était que, en réalité, l'on puisse retirer le bébé qui est chez la magistrate, parce que c'est la pupille de l'État, pour être replacé dans une institution spécialisée. Et deuxièmement, il fallait permettre à Vanessa de voir au moins ce bébé, pour voir s'il y avait quelque chose entre eux. Et troisièmement, on demandait que le ministre de la Communication rectifie la façon de communiquer, puisqu'il est porte-parole du gouvernement et qu'il avait annoncé comme ça, sans une enquête préalable, que le bébé de Vanessa était décédé et enterré en côté. Puis, on demandait véritablement que l'on ouvre une enquête sur le trafic de nourrissons au Cameroun. Bon, ceci a été faxé, d'ailleurs devant nous, puis il a été convenu avec le commissaire qu'il prendrait un rendez-vous pour que je puisse faire une déposition comme simple témoin devant le procureur de la République le lendemain. Ce que j'ai fait, bon, c'était le 10, je suis parti de mon domicile tout tranquillement et au volant de ma voiture, je suis arrivé au commissariat central où j'ai pris un élément de la police qui était chargé donc de me conduire auprès du procureur de la République, un certain, au départ c'était un certain Tama. Puis, chemin faisant, il m'a expliqué que je devais rencontrer quelqu'un de mon ennemi qui s'appelle Belinda et que les choses se passeraient très bien. Alors, mais arrivé au tribunal, cet élément de la police est entré dans le bureau du procureur, ils ont échangé à peu près pendant 5 minutes, puis il est ressorti et m'a invité à entrer. Et là, j'ai trouvé un monsieur responsable, derrière lui il y avait un drapeau de la République, et juste sur sa droite, il y avait un poster du président de la République. Donc, je pense peut-être que c'est comme ça dans tous les bureaux de responsables au Cameroun. Mais ce monsieur a levé à peine son regard sur moi parce que ben, il était certainement en train de travailler. Et là, il m'a questionné pendant 45 minutes sur tout et sur rien, et surtout pas sur l'affaire qui me conduisait là, c'est-à-dire celle de Vanessa Tchatchou. Je serai installé dans ce sous-sol-là de 10h du matin à 20h. Heure à laquelle le juge Don Belinga, donc procureur de la République, se déclarera incompétent. Et nous sommes un vendredi. Vous savez que les vendredis au Cameroun, c'est vraiment comme une journée fériée, parce que c'est réservé, on a une dévotion particulière pour les corps, les dépouilles mortelles ici. Donc les gens vont à la levée de corps, ils vont assister aux enterrements. Et donc,
pour que je puisse passer, c'était un vendredi, pour que je puisse passer la fin de semaine en cellule, ben, on a attendu 20 heures pour dire que je devais être transféré au tribunal de première instance à Ekounou. C'est donc ici qu'un substitut du procureur va vraiment se déchaîner sur moi en réclamant à cri à corps et à cri que je sois mis en cellule et que si je n'étais pas mis en cellule, il ne pouvait plus travailler. Et face à ma résistance, il a fait tomber la veste et il m'a roué vraiment de coups avant de me retrouver menotté bras derrière et puis cagoulé. Et comme il y avait ici, c'était la veille de la fête de la jeunesse, il y avait donc ici un attroupement d'une vingtaine de journalistes, à la fois de RFI, de France Télévisions, mais aussi des chaînes de radio locales et de la presse écrite qui étaient là. L'on va sortir par une porte dérobée, c'est celle qui est juste là, le portail noir que vous voyez là. Et donc la voiture de police va se placer là. Et on va sortir, vous voyez tout ce long mur-ci, c'est le mur de l'ancienne présidence de la République. Donc on va sortir par là et on va contourner cette ancienne présidence de la République pour nous retrouver directement au commissariat central où je serai mis, je ne sais pas s'il faut appeler ça, sous mandat de dépôt, sans que même au niveau de la main courante, on ait enregistré quoi que ce soit.